Hello tout le monde, après une pause bien méritée sur les vide-greniers, je rattaque et je rattaque à domicile. Donc je vais aller encore un vide-grenier qui est sur QC, ça fait le deuxième je crois cette année, deuxième ou troisième, il s'en organise assez souvent, donc c'est un vide-grenier couvert. Je joue donc encore une fois à domicile et on va voir ce qu'on trouve. Il est trop tard, hein. Il est déjà 10h du mat, je vais donc essayer de ramasser des miettes. Des miettes qui me font plaisir. Voilà, arrêtez de courir après le truc hyper rare. Je vais juste la jouer plaisir. C'est parti, on y va tout de suite. Bonjour. Vous voulez demander combien les jeux, s'il vous plaît? Et la console, vous la vendez combien? 40. Ok. Ce que je l'ai, ce que je l'ai pas. Ça dépend lesquels. Un peu abîmé. Un euro le lot. C'est parfait. Ouais. J'essaye d'être juste quand même, quoi. Il y en a qui sont honnêtes et d'autres non. Ouais. Je les achète en moyenne 3 euros le jeu. Des fois, certains un peu plus. Mais dans l'idée, voilà. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Bon courage, bonne vente. Merci. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Pas de soucis, vous êtes en plein observation. J'ai cru que vous étiez en train de chiner, c'est pour ça, ouais, je pigeais pas. Ouais. En fait, je triche. Ouais, c'est ça. Ouais. On a l'impression qu'il y a du monde sur le stand, que ça fouine et tout. Mais c'est une feinte, ça, c'est pas possible. C'est une tactique commerciale. Vous êtes une pro du marketing. Hein. Ouais. Vous les vendez combien, les petites scénettes Playmobil, s'il vous plaît? Les petites scénettes, 4 euros. 6 les deux. Allez, on va penser. C'est cool, deux. Merci. Tu viens, tu peux prendre deux petits sacs, ouais. Et puis on les regroupe. Bah, c'est sympa, ouais. J'ai des pots, filtre, viande. C'est tiré au vide. Oui, les deux petits célestins, tu m'en donnes un. Et les cordons de la bourse, c'est vous? Oh, c'est un peu tout le monde. Mais c'est moi qui ai la monnaie. D'accord. C'est moi qui ai la monnaie. On a dit 6. Pardon, excusez-moi. Hop. Hop. Merci. Et, ça, il n'aime pas. Bonne journée. Merci, excusez-moi. Non, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je regarde, je fais attention. Vous les vendez combien, s'il vous plaît? Je vends entre 1 000 et 50. D'accord. C'est le lot. C'est le lot. D'accord. Et ça date de 94. Ok. Voilà. Vous avez une histoire là-dessus ou c'est, ça vient de quoi? Ça vient c'est une collection qui vendait dans des magasins. Et d'accord, voilà. Très bien. Non, parce que j'ai jamais vu. Ouais. J'en fais très peu, c'est un objet de temps en temps parce voilà, que c'est ouais. Cool. Mais c'est vrai que ceci, j'avais jamais vu. Ouais. C'est en porcelaine apparemment. Ouais, apparemment, ouais. Oui, j'ai vu, ouais. Très bien, merci pour l'info. C'est l'emballage d'origine. Oui, je vois bien que ça n'a pas bougé, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.
Bonjour. Excusez-moi, c'est vous le stand? Combien vendez-vous les boîtes, s'il vous plaît? Ça dépend lesquelles. Oh, par exemple, c'est pour offrir à une dame qui les collectionne d'un magasin, là. Et ben, qui les met sur son étagère derrière le coup. À part les Chieta, c'est un peu particulier. Sinon, dites-moi ça. À peu près à 1 euro. Hein. Ouais, allez, on y va comme ça. Ça dépend lesquelles. Je vais prendre celle-ci. Déjà, celle-ci, tout ce qui est les Chieta, je vends plus cher. D'accord. Ouais, non, non. Alors, c'est marrant, c'est qu'elle n'a pas de préférence, c'est qu'elle veut des boîtes qu'on vécu. Ah ben elle a horreur des boîtes qui sont trop nickel. Je vais vous dire que celles-là, elles ont vécu parce que c'était dans une cabane à outils de mon grand-père. Mais c'est bien, c'est souvent les meilleurs trésors. Il y a tous ces outils là-dedans. Merci beaucoup. Bah, c'est moi. Passez une bonne journée. Bah, vous aussi. Bonne vente. Je vends en vrac. Ouais, je regardais. Un peu de tout. Il y avait, c'est des étalages de légumes, trucs comme ça. Ouais. Voilà. Vous avez plus de dinos et trucs comme ça. Enfin, je sais pas s'il y avait. Vous non, aviez des non, c'était une école. En ah fait, ouais, ça. D'accord. C'était sur un tableau. Okay. Il y avait. Ok, des ok. Sièges. Ouais, vu. Vous vendez ça combien? Là, je peux tout à 10 euros le tout. D'accord, très bien. Bon, merci pour l'info. Je vais remettre celui-là parce qu'il a été déplacé. Comme on dit. Ouais, je vais vous laisser le faire, mais elle est décalée. Il faut la remboîter un petit peu mieux avant que ça soit cassé. Merci, bonne journée. Et le revoilà avec son TGV Atlantique. Ça va? Décidément, il m'en veut. Hein. Ouais. Je sais pas. C'est trop cher pour moi. Les BD sont. Pardon ? 15 euros. Ça sera. Je suis passé au numérique. Donc ça, c'est de l'analogique et après, il faut les démonter, mettre des décodeurs dedans, c'est pour ça. Les BD sont à combien ? C'est les politiques que tu prends. Les Astérix sont à 5. Ouais. Et ceux-là 4. D'accord, très bien. Ok. Bonjour, vous avez encore les boîtes des cartouches Torio là ou pas? Non. Parce que je crois que c'est de la cartouche Torio. Hein. C'est ça. Ouais. Oui. Bon non, bah tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Un groupir? Ouais. Ouais. Avec la console. Ouais. Vous les vendez combien les jeux s'il vous plaît? Je les vends 10 euros, ça vous va? Pièce? Oui. Je serais trop élevé, c'est pas grave. Ah. Ouais. Bonjour. Vous les vendez combien, s'il vous plaît? C'est avec la Storio. En ah, même d'accord, temps, j'avais qui a pas la vu. Console aussi. Ouais, c'est laquelle? C'est la Storio 3. 3, ouais. Ok. Ouais, je fais le lot, je laisse tout ça. D'accord. Vous vendez le lot combien? 30 euros. Bien. Merci, bonjour. Bonjour, madame. 1 euro. D'accord. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Merci, bonne journée. Oui.
Bonjour. Vous les vendez combien, s'il vous plaît? Les jeux? Ouais. 3 euros. En fait, c'est bon, on est les... Je sais que je l'ai. 5 les deux? Ouais. Ok, cool, merci. Bonjour madame, vous les vendez combien s'il vous plaît? Est-ce que c'est le bon? Ouais. Pardon, excusez-moi. On passera à 8 euros éventuellement. 2, 4, 6, je n'ai pas gagné ma vie. 1, 2. S'il vous plaît. Allez, 10 euros. 2 euros, vous ne trouverez pas ça dans le commerce. Et puis c'est des vieux trucs. Ouf. Oui. Merci. Merci, bon courage. Bonne journée. Hop. Est-ce qu'il est complet? Oui. Celui-là, pareil. Bonjour, vous les vendez combien s'il vous plaît? Bonjour, vous les vendez combien s'il vous plaît? 2 euros l'un. 3 les deux? Eh ben c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Je complète, tout doucement. Collection? Ouais, tout à fait, ouais. Oh bah nickel. Ça fait 1 euro, ça me va. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Ouah, alors... Ouais, bah ouais, ouais. Et là, j'ai plus de monnaie. Grâce à tout prix l'eau, c'est l'horreur. Cassé. Cassé, cassé, et elle est moisie. Bonjour. Je fouine, j'y cours, j'y vole. Et ça a bien pris l'eau. Oh la vache. Pourquoi pas? Est-ce que je l'ai pris? Il me semble bien, mais bref. Merci, bonne journée. Vous aussi. Merci. Ça, c'est quoi?
vas-y. Vous les vendez combien, s'il vous plaît? Ceci, les... Et les PlayStation 2, je les fais 1 euro. Ouais. Allez. Vous auriez pas un sac, s'il vous plaît? Ah ben non, après... Merci. Bon, merci. Bon, je me débrouille. Bonjour. Bonjour. Combien vendez-vous les jeux, s'il vous plaît? Ça dépend les prix, Nadia. C'est toi, un euro. Quoi, les jeux? Ah, ouais. 3 euros, les deux. Ok. Bon, on va regarder. Les jeux qui sont pas dedans, c'est normal ou oui, pas? Oui. Je d'accord. Les donne après. Ouais, ouais, pas de souci. Merci encore. J'ai un doute sur celui-ci. Il joue pas avec des figurines à poser sur le. Ouais, je les ai pas. Ouais, c'est raté. Oh, alors, par contre, est-ce que les figurines. Oui, mais elles doivent être multi-support. Autant sur les grosses consoles que. Ouais, d'accord. Mais. Il n'y a pas de support, hein. Il y avait c'était juste des figurines. Oui, non, non, mais je sais bien, mais je dis multi-support, c'est multi-console quand ah, je dis pardon. Ça. Ouais. Tu dis que... Ouais. Ouais, ouais. Les jeux, oui, c'est 2 euros. Ouais, ok. Ouais, non, ok. Bah, je l'ai pas, je... Je vais le laisser. Je vous le laisse parce que j'ai un gros gros doute de l'avoir, donc ça fera neuf du coup. Okay. Bonjour. Bonjour. Hop, reste là ma petite. Ah oui, oui. Bonjour. Incroyable. Ouais. Dans un boîtier qui ne lui convient pas. C'est un boîtier qui a été changé. Elle est vendue. Ah bah tiens. C'est une vente flash. Allez, ouais. Ça perd un sandwich. On réfléchit pas. Bah, allez, attends. Est-ce qu'il peut y avoir caché là? Bonjour, vous le vendez combien s'il vous plaît? 2 euros. C'est pas mal. C'était ce que j'avais en tête. Ça c'est parfait. Et vous sortez de ma tête. Avant d'attaquer le débrief, je vous fais un erratum parce que j'avais un Tourist Trophy en double et il s'avère que dans l'un des deux, il y avait un Need for Speed Pro Street. C'est pour ça que j'avais une jaquette qui était complètement pliée dedans avec le manuel et tout. Et je me suis aperçu que le CD, c'était celui de Need for Speed Pro Street. Du coup, je me retrouve avec un manuel et une jaquette de Tourist Trophy de moto, le jeu de moto. C'est cool parce que celui-ci, je l'avais pas du coup. Donc, pas de double. Allez, c'est parti, on débrief. On se retrouve de retour au studio pour le débrief de cette brocante de folie. Alors, cette brocante vide-grenier. J'avais pas prévu d'y aller, ça s'est fait un petit peu à l'arrache à la dernière minute et sincèrement je ne suis pas mécontent qu'on soit allé à ce vide-grenier avec ma femme parce que ça valait carrément le coup. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu récupérer. Je vais commencer par les petits Playmobil. J'ai récupéré 2 lots de figurines Playmobil qui sont relativement sympas. Il y a une scène avec un personnage qui donne à manger à des oiseaux avec une petite cabane dans un arbre, voilà, qui est très très cool. Et la deuxième scène, c'est un personnage qui s'occupe de chèvres et d'un agneau. Voilà, c'est pas très cher, c'est toujours sympa à avoir dans les étagères. Donc du coup, j'ai pris ces 2 petits Playmobil. Ça, c'est une chose. Je continue avec la suite. J'ai rangé un petit peu comme je pouvais. Alors, j'ai récupéré sur Nintendo 3DS un Disney Infinity. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui fonctionne avec des figurines qu'on pose sur la console et qui apparaissent, qui popent dans le jeu.
J'en ai pas des figurines de ce genre-là. Alors maintenant que j'ai celui-ci, peut-être que j'essaierai de trouver des figurines qui vont avec. La personne a pris mes coordonnées, elle est censée me rappeler pour me dire « Voilà, on va vous vendre les figurines. » On verra bien. Quoi qu'il en soit, le voici. Je ne l'avais pas. J'ai trouvé des jeux PSP. Alors, on va commencer avec Need for Speed Underground. Le voici. Je l'ai eu avec le manuel. Les prix sont dans la vidéo, donc je ne vais pas faire le récap ici. J'ai Medal of Honor Hero 2 que voici, toujours avec le manuel. Je suis plutôt pas mal, hein, sincèrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Medal of Honor, c'est un jeu qui est issu d'un mod de Counter-Strike. Quand Counter-Strike est sorti dans les années, je crois, 2000, il me semble, ça commence à dater. Les modeurs s'en sont donnés à cœur joie et du coup est sorti Medal of Honor à la suite du mod qui était un mod dédié à la Seconde Guerre mondiale, qui était très très bien d'ailleurs. J'ai perdu le nom, si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Assassin's Creed Bloodline sur PSP. Le voici avec le manuel. Je m'en tire super bien. Voici, voici. J'ai récupéré ceci, un Top Gun Fire at Will sur PlayStation. Malheureusement, c'est pas le boîtier d'origine. Par contre, j'ai bien vérifié. C'est le jeu. Alors, il n'y a pas le manuel, mais la personne s'est donné un petit peu de mal pour de toute façon quand même récupérer la jaquette du jeu, la mettre dans le boîtier. Voilà, c'est toujours sympa à avoir. Vous dire que je le garderai, je ne sais pas. Je vais continuer avec quoi ? Encore du Nintendo DS. Voilà, j'ai chopé un Gormiti. J'ai jamais joué à ça, mais comme je ne l'ai pas, je l'ai pris. Voilà, le manuel est nickel. Super bon état. Georges de la Jungle. J'ai pas. Donc j'ai dit pourquoi pas. Alors Georges de la Jungle, c'est assez marrant à voir en dessin animé. Comme j'aime bien le dessin animé, j'aimais bien le dessin animé, je me suis dit pourquoi pas prendre le jeu. Voilà, Georges de la Jungle. J'ai pris une boîte métallique Romaren Beaufour. C'est une boîte qui va être destinée à la collection d'une personne que je connais, qui les collectionne et à qui j'en ramène assez souvent dans quelqu'un qui tient un magasin. Et elle les met sur une étagère derrière elle. Donc voilà, ça va faire une boîte de plus pour cette personne. Je continue. Je vais continuer avec quoi ? Tiens donc. Xbox 360. Un Race Driver Grid. Je ne suis pas sûr de l'avoir. Si je l'ai, c'est pas grave. Je prendrai le meilleur. Je garderai le meilleur. Et je revendrai l'autre. Ou j'échangerai le second. Watch Dogs 2. Ça, c'est cool parce que je ne l'avais pas. Watch Dogs sur Xbox One, donc qui fonctionne également sur Xbox Series. Ça, c'est très très bien. J'avais le premier. Ça fera l'occasion d'avoir le second. Très bien. Dying Light, je ne l'avais pas. Ça, c'est certain. Un jeu zombie, survival, horror. Pas de manuel. Je ne sais même pas s'il y en avait un dans ce jeu. Quoi qu'il en soit, je le voulais, fut un temps. Je l'ai eu à... pas cher. Je continue avec pourquoi pas ceci. Tiens donc. Wii Sport Resort. Je crois que je ne l'avais pas. Donc je l'ai pris avec le manuel. Ça fait quand même bonne radia là. J'ai les lapins crétins partie collection. Ça c'est toujours très très cool à avoir avec le manuel. Le CD, nickel. Le manuel est en super bon état. La dame était assez sympa parce qu'elle m'a dit « Vous fixez votre prix. » Ça, c'était très, très bien. J'ai chopé un Trauma Center Second Opinion. C'est très cool parce que celui-ci, je le voulais quand j'ai eu la Wii à une époque et je ne l'avais pas acheté. Je n'osais pas acheter ça parce que je ne savais pas si j'allais y jouer. Eh bien, ça fait l'occasion de l'avoir cette fois-ci. Je vais taxer la Wii de ma mère parce que ma mère joue sur la Nintendo Switch. Elle ne joue plus qu'à Animal Crossing. Et je pense que là, oui, je vais la récupérer pour ma collection. Sur PlayStation 2, True Crime New York City. Toujours avec le manuel que je remets dans le bon sens. Alors, je ne connais pas ce jeu. Ça a l'air d'être un jeu un peu à la GTA. Enfin, voilà, toute proportion gardée. Et voici. Midnight Club Street Racing. J'ai du Midnight Club. Et de mémoire, je crois que je n'avais pas celui-ci. Le Midnight Club avec le manuel.
ça en fait. Tourist Trophy, PlayStation 2. J'ai un doute de ne pas l'avoir pris déjà sur une précédente brocante. C'est pas grave, ça arrive. Alors, par contre, très abîmé le manuel. Il va falloir que je fasse du repassage, à mon avis. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, je vais le mettre de côté, je vais m'en occuper. Et c'est d'ailleurs le manuel, c'est Need for Speed Pro Street. Regardez, il y a une erreur. Il y a une erreur. Et est-ce que dedans ? Et dedans, par contre, j'ai le manuel de Tourist Trophy. Bon, bah, ça me fait un manuel de plus. C'est pas très grave. Ça sera l'occasion de l'avoir si j'achète le Pro Street. J'ai récupéré 13 excellents jeux que j'avais fait sur PC. Je crois que je l'avais sur PlayStation 2, mais comme le manuel est en bon état, j'ai préféré le reprendre. Voilà, possibilité de jouer en réseau fut un temps. Maintenant, c'est fini, on ne peut plus jouer en réseau. Medal of Honor, Avant-Garde, PlayStation 2. Avec le manuel. Et le CD, c'est le bon. Ouais, parce que je regarde quand même maintenant. Tourist Trophy, tiens donc, ça me dit quelque chose, hein? Je crois que je l'ai pris deux fois. Et voilà, comme un âne, je l'ai pris deux fois. Bon bah du coup, maintenant c'est sûr, je l'ai deux fois. Le mec qui fait pas attention quand on est pris dans l'élan, bah c'est pas grave, hein? Tant pis. Madagascar sur PlayStation 2, je vais me faire pourrir parce que j'ai doublé la mise, là. C'est pas grave. Madagascar, voilà. Un petit peu sincèrement dégueulasse dedans, donc je vais bien le nettoyer. Et je termine avec des vinyles de ce type-là, disco, par exemple, avec Boney M, avec Sugar Cane, Amanda Lear, mon Dieu, catastrophe, Richie Family et compagnie. Donc voilà, ça c'est de la bonne compile. Après Amanda Lear, j'ai rien contre, hein. il y a du bon aussi. Hein. On a du 16 disco hits non-stop, très cool, j'ai chopé du vinyle, voilà, ça fait quand même deux brocantes où j'en chope, hein. Très très bien. Pourquoi je prends du vinyle, je vous l'ai déjà dit, c'est que peut-être que plus tard je me ferai un petit studio avec, je me rachèterai deux platines vinyle, des Technics là, et peut-être faire de la vidéo de Zik, pourquoi pas, de temps en temps, puis même pour soi, c'est toujours sympa. Pour sampler des sons, si ça peut être sympa, et puis faire de la zik. Disco Hits Non-Stop, pareil, c'est 16 hits, c'est pas les mêmes. Hein. Pas me faire avoir deux fois. Hein. Encore dans la collection Disco Hits Non-Stop, des nouveaux titres sur celui-ci. Voilà, les disques sont dedans, hein, j'ai vérifié. Et Sal Soul Explosion. Disco Club numéro 1 avec plein de titres sympatoches voilà, qu'il va falloir que j'écoute. Donc ça me fait quand même une bonne razzia sur cette brocante. Je me retrouve avec beaucoup de jeux. Je me retrouve avec une vingtaine de jeux, ça en fait quand même pas mal sur une seule brocante, plus 1, 2, 3, 5 vinyles, plus un manuel qui avait rien à foutre dans le truc, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Hein. C'est pas un manuel, c'est une jaquette de boîte avec le manuel. Donc pourquoi pas, c'est je vais pas dire c'est un fourreau, mais bon. Voilà, écoutez, je crève de chaud dans le studio en fait. C'est pour ça que je rame beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette brocante vide-grenier. Sincèrement, je suis très très content. Ça m'a coûté un petit peu de pognon, mais sincèrement, je suis très content du résultat de ce vide-grenier. J'avais fait une grosse pause quand même parce que j'avais besoin de m'aérer l'esprit. Je vais recentrer la chaîne sur plein d'autres trucs. Je vais continuer de faire du vide-grenier. Par contre, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Ma chaîne de Lego, je vais recentrer sur le monde de Lumpy. Du coup, vous verrez aussi du Lego. Vous verrez des tests de jouets. Et je vais vous expliquer sur un live pourquoi je recentre tout. Ça, c'est suite au séminaire que j'ai fait chez Google France à Paris vendredi dernier, le 16, donc 16 juin. Voilà. Bien écoutez, on va en parler sur le live qui arrive vendredi. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.
je ne sais pas quoi. Il y aura du vide-grenier, je vous l'ai dit. Donc ça arrive, c'est bon. Et la bise à toutes et tous. À très bientôt. Dites-moi ce que vous voulez voir. Et j'essaierai de faire de mon mieux. Hein ? La bise. Tchuss.